Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 janvier, on est à peu près au milieu de la matinée, mon ménage est fait et je prends la caméra pour vous parler. Poilo, mais... voilà, une petite vidéo un petit peu décousue. Je pense que dans cette vidéo-là, je vais vous parler de mes encours, que ce soit mes encours en diamond painting ou en broderie. Je vais également vous parler... Alors, mes encours en broderie, est-ce que je la fais là maintenant? Parce que j'en ai beaucoup. Mais ouais, je me dis peut-être que je vais la faire là maintenant. Mes diamond painting et également quelques réalisations que j'ai fait l'année dernière. Vous verrez que c'est pas très folichon niveau diamond painting. Je pense que j'en ai terminé un. Ça valait pas une vidéo de rétrospective, ouais. En fait, en gros, j'ai fini mon fil rouge et c'est tout. Ensuite, j'ai dû en faire un petit chez Action au mois de décembre. Et ensuite, des diamond painting en diamants spéciaux. Mais j'ai pas souvenir d'avoir terminé un autre diamond painting classique, entre guillemets, cette année. Non, j'ai pas souvenir de ça. Du moins, depuis que j'ai arrêté les vidéos. Non, ça c'est sûr. Pareil pour mes achats DP, donc ça sera dans ma vidéo stock de DP. J'ai dû, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, j'ai dû en acheter deux ou trois, pas plus. Donc voilà. En tout cas, là on va se retrouver avec mes encours de diamond painting, de broderie. Je vais tout faire à la again. Il va y avoir, là en fait je suis au rez-de-chaussée, donc je vais vous montrer mes encours qui sont au rez-de-chaussée. Ensuite, il faudra que je monte pour vous montrer les produits que j'ai terminés. Donc forcément, en haut, il y a du diamond painting et de la broderie. Et en bas, il y a du diamond painting et de la broderie. Donc, je vous fais un petit peu tout ça. Et ensuite... c'est tout. Sachant que sur ma chaîne, actuellement, vous n'aurez pas de coloriage parce que je n'en fais plus. Et que je suis même en train de me demander si je ne vais pas en revendre. Voir. Mais non, je vais en garder parce que la folie coloriage va peut-être revenir. Mais non, là en ce moment, ça va bientôt faire... je pense que depuis le mois d'août que j'ai pas touché un coloriage, je n'ai même pas terminé le coloriage pour mon fils qui m'avait choisi dans le tome manga. Par contre, je peux vous montrer les coloriages que j'ai fait, mais ça parlera pas énormément de coloriage, j'en fais quasiment pas. Ça n'a jamais été ma grande passion. J'ai beaucoup aimé en faire, mais alors le choix des couleurs, ça me saoule. C'est plus facile de sortir une broderie que de sortir un coloriage parce qu'il faut choisir les 5000 couleurs. La broderie, vous avez la DMC, vous avez juste à sortir le fil dont vous avez besoin. Ou passer une petite commande. On est d'accord, on s'entend bien. Voilà, bon écoute, on se reprend là avec mes encours. On va commencer par le diamond painting. Et puis ensuite, ça sera les encours broderie. Et ensuite, on montera pour aller voir un petit peu s'il y a des choses de terminer. Voilà, tout de suite. Voilà un de mes premiers encours. Juste un petit aparté, je suis désolée, vous allez bouger un petit peu. En fait, mon trépied est cassé. Mon fils a marché dessus, enfin bref, il s'est complètement cassé. Donc là, j'en utilise un que j'avais acheté chez Action, mais il fait 3 cm de hauteur. Donc si je pose mon trépied, ça va pas le faire. Je sais qu'ils en vendent d'autres chez Action, faudrait que j'aille voir un petit peu. Je pense qu'ils en vendent des un peu plus mieux qu'à une époque, parce que bon, est-ce que j'ai envie de réinvestir dans un trépied, je ne sais pas. En tout cas, là, vous êtes à bout de bras, entre guillemets, hein, mais oui, je tiens mon téléphone, comme en perche à selfie, là. Donc, vous bougez un petit peu, je vous prie de m'en excuser. Voilà pour ce qui est donc d'un de mes premiers encours. Donc, il s'agit de la douce aurore de Laure Philippon, qui est vendue chez Oraloa, que j'avais acheté, je pense... courant du mois d'avril, enfin dès qu'elle était sortie. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette image. Donc j'ai déjà fait donc, tout ça. Hop. Je pense que j'en suis à un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup la couche, le rendu de la peau et tout ça aussi, j'aime pas mal. Alors j'ai la fenêtre qui est par là, le soleil arrive, donc forcément ça brille beaucoup, je sais pas si vous allez bien voir. Par contre... j'ai quand même une déception. En fait, j'ai du mal à la continuer. C'est ma toute première Oraloa. Ah ouais, et voilà. Enfin, je m'y mets. Je déteste le film.
le film plastique. Il est ultra épais, je le déteste, mais vraiment, c'est... Mais alors là où j'ai une petite déception, je sais pas, là ça frise vraiment beaucoup. Je vais essayer de me mettre devant la fenêtre peut-être pour que ça se voit. C'est tous ces AB dans la chevelure. Ils ont été claqués des AB partout dans les cheveux. Je suis pas une très grande fan, moi, des AB. Hein. Je trouve ça beau, mais il faut vraiment savoir les mettre subtilement. Et là, c'est pas subtil. Donc, franchement, quand je suis arrivée vers la chevelure, autant là, j'ai pris... je me suis éclatée. Mais quand je suis arrivée vers ses cheveux et tout ça, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? En plus de ça, il y en a deux ou trois de couleurs différentes. Donc, bah, j'ai du mal. Et là où j'ai du mal aussi chez eux, mais ça, vous devez le savoir si vous en faites, c'est que le quadrillage, on le voit quasiment pas, en fait. Donc, bah, moi, j'aime pas trop ça. Et bah, après, la qualité des diamants, oui, ils sont bien. Maintenant, le zéro écart, bah, on repassera hein, parce qu'il y en a. Mais après, c'est pas quelque chose qui me gêne. De toute façon, c'est un DP, je vais jamais l'accrocher au mur. Moi, je le fais pour du plaisir. Après, il sera enroulé et il sera stocké. Donc, bah, je vais vous avouer que les écarts, bah, on s'en fout puisqu'il n'est pas devant nos yeux. Ah, c'est pas un monnaie quoi. Donc voilà, en tout cas, il faut que je la reprenne absolument. Là, je me dis, elle est peut-être aujourd'hui, je vais peut-être faire mon petit carré ici. Parce que je voudrais quand même qu'elle soit terminée en 2024. Enfin, j'ai du mal à retourner dessus, vraiment. À un moment donné, j'avais terminé bah, mon fil rouge, j'avais fini ma bande du mois de ma DAC. Et puis, je me suis dit, ah, bah, je vais reprendre mon DP. Et en fait, je voulais pas du tout faire celle-ci. Donc, j'ai été en chercher une autre que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, celle que j'ai été chercher, en fait, j'ai été piocher dans mon stock. C'est une toile qui m'a été offerte pour mon anniversaire en 2021 par Joanne. Et c'est une toile de chez Home Fun, un custom de chez Home Fun. Et il s'agit, hop, que je vous montre ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. Donc, custom de chez Fun. Et là, vous voyez, oh, il y a un petit morceau de papier qui est parti. Donc, il y a toute la poussière qui est arrivée. Il va falloir que je mette de la colle sur ces petits diamants-là. Bon, il y a des rivières. Mais la toile, elle a bientôt 3 ans. Elle colle toujours aussi bien. Alors, oui, en fait, je ne sais pas comment expliquer. On sent quand même que c'est plus la qualité que si je l'avais... Enfin, si j'avais déroulé la toile tout de suite et je l'avais faite dès l'achat et tout ça, on sent que c'est plus la même qualité. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Mais elle colle en fait, elle colle, elle est agréable. Alors après, bah forcément, hein, dans mon stock, j'ai beau la mettre aplatie. De toute façon, on voit les bulles, il y a des rivières qui se sont créées, mais c'est pas très grave. Donc j'ai commencé celle-ci. Donc c'est du Home Fun d'il y a 3 ans. Alors, je n'ai pas fait du Home Fun de 2023, je ne sais pas comment a évolué cette boutique depuis, mais bah, c'est super agréable à faire en fait. Après, par ici, il y a beaucoup, beaucoup de confettis. Hein, puisque là, on a la. Ici, on a son bras tatoué. Et là, ici, on a son. Donc, il est censé être marqué Freedom. Bon, ça se voit à peu près. Franchement, moi, j'aime bien. Je l'aime bien. Mais là, mon objectif, c'est quand même la douce aurore. Hop, je vais vous montrer donc l'encours suivant. Nouvelle parenthèse pour l'encours suivant, en fait je l'ai mis là-dedans, c'est un tube que j'avais acheté chez Action et comme en fait c'est une toile en colle coulée, bah, je me suis dit bah, c'est pas plus mal en fait, pour la stocker c'est pas mal. Alors la toile fait 50 par 70, je pense que j'ai agrandi au maximum ici, je pense que vous pouvez pas mettre plus grand, mais pour le transport, moi je le trouve vraiment bien en fait. Alors attention, vous ne mettez que la toile, vous ne mettez pas les diamants dedans. Attendez, je vais essayer de le poser. Comme ça, bah, on voit le bazar sous ma table. On s'en fiche. Ouais, je vais chez Kuro. Donc, vous voyez, hop, vous l'ouvrez comme ça et vous n'avez que la toile. Après, je pense... Oui, il y a peut-être moyen de mettre les diamants. Il y a peut-être moyen de mettre les diamants. En tout cas, voilà, on va la sortir. Ah bah, vous voyez, peut-être que c'est peut-être pas une si bonne idée. J'ai mis côté diamant. Je l'ai enroulé côté diamant. Et ben on va voir si ça a morflé ou pas. Parce que alors là, je ne l'ai pas sorti depuis plusieurs mois, celle-là. Donc, on va voir si ça a morflé. Hein? Ben non, j'ai pas l'impression.
J'ai aucun diamant qui s'est barré. Donc hop, je vous soulève. Ou alors peut-être comme ça. Voilà, donc il s'agit de ma toile Zelda, enfin Link, du jeu vidéo Zelda, style un peu nuit étoilée de Van Gogh, que j'avais acheté chez Shine Art Club. Alors Shine Art Club, je pense que ça a changé de nom. Donc celle-ci, elle est en diamant rond, 50 par 70, avec des diamants AB. Elle n'a pas énormément de diamants AB, hein. Ils sont vraiment, c'était histoire de dire, il y en a, attendez, j'essaie de vous zoomer. Il y en a ici, vous voyez, tac, tac. Il y en a quelques jaunes. Je pense que ça va plus être du côté de la lune qui est ici, qu'il va y avoir des diamants AB. Mais voilà. Alors, je l'avais commencé. Je l'ai commencé. Bon, je ne sais plus trop quand. Je vous avoue que. Parce que bah, j'avais terminé une toile en diamant rond, que je voulais une autre toile en diamant rond. Et je me suis dit, ah, bah, c'est parfait celle-ci. Tu l'as, tu l'aimes bien, et en fait, je m'ennuie prodigieusement à la faire. Pas parce qu'il y a beaucoup de noir, hein, parce que ça, justement, ça va très vite, mais alors, en fait, tout ce qui est là, c'est que du confetti, et ça me saoule. Je pense que c'est... Enfin, non, c'est pas la façon dont j'ai rangé les diamants, parce que je les ai rangés dans une valisette tic-tac, mais bah, c'est comme quand vous devez couper des fils en broderie parce que vous avez fait deux points, là, sortir... pour un seul diamant. Après, là, la caméra, je trouve qu'elle rend bien. Elle est vraiment belle. Je me dis, t'as plus grand-chose à faire, France. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est la douce Aurore et ma Zelda. C'est vraiment mes objectifs de 2024. Si objectif, il doit y avoir. C'est vraiment deux toiles que je voudrais avoir terminées quand même. Parce que j'en ai d'autres. Mais j'ai pas envie de recommencer d'autres. Parce que après on s'en sort plus. Voilà pour cet en cours et je vous montre un dernier en cours. Oui, et puis ma toile en diamant spéciaux que j'ai commencé là il y a 3 jours, si vous voulez, je vous la montre également. C'est également un en cours. Allez, je vous montre. Bah, de toute façon, c'est sous la nappe. Donc, hop, on est parti. Ouais, c'est celui-là. Voilà, donc là c'est un autre en cours, donc c'est une toile en full strass de Sailor Moon, vous voyez. Hop. Voilà, et elle est en full strass. Alors ce qu'on va faire, tac, et je ne sais pas si vous allez le voir, parce que vraiment les diamants noirs c'est du strass, hein. En carré. C'est très bien taillé. Franchement, là, les deux carrés que j'ai fait, c'est très bien taillé. Et vous voyez, j'ai même pas terminé ce carré-là. Après, ça ressemble, quand on regarde un petit peu la... comment ça s'appelle ? L'impression, ça ressemble un peu à du... Huacan, l'impression. Et vous voyez, est-ce que je les ai perdus ? Non, je les ai pas perdus, je les ai juste pas encore mis. Donc là, il faudrait peut-être m'y mettre. Franchement, c'est pas désagréable, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Voilà, alors après je pense que 30 par 40 ça va être trop petit. Ah, il y a tellement de soleil, c'est fou, on se dit, il y a tellement de soleil qu'en fait on voit pas grand chose. Ouais, 30 par 40 je pense que ça va être un petit peu trop petit. Là vous voyez, elle a morflé au niveau des rivières, bon, après c'est tout. C'était juste pour tester en fait le full strass et je m'étais dit, oh bah Sailor Moon, c'est un dessin animé que j'adore. Et là par exemple, bah, ça se voit beaucoup à l'œil nu, peut-être un peu moins en caméra, mais on voit qu'il y avait une rivière là quoi. Mais bon, après c'est pareil, hein, c'est pour être mis en porte-vue et puis basta. Hein. Donc, je me dis celle-ci, il faudrait peut-être que je m'y attelle quand même un petit peu. Parce que, donc ça c'est un de mes achats de l'année dernière. En tout cas, le vendeur, je ne sais pas s'il existe encore. Si j'ai le lien de cette toile, je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude. Maintenant, les diamants en strass carrés sont vraiment très bien taillés. Il n'y a, pas de souci en soi. Et là, je vais vous montrer... Donc, ma toile en diamants spéciaux en cours. Voilà, donc, il s'agit d'un petit mandala bien sympathique. Donc, j'ai terminé une toile en diamants spéciaux last weekend et j'en ai recommencé une autre. J'aime bien avoir toujours un petit en cours de diamants spéciaux avec moi. J'en ai pas mal dans mon stock à écouler. Donc, je les prends les unes après les autres. Et puis, et alors celle-là, hyper agréable parce que vous voyez, elle a 18 couleurs, enfin, elle a 18 strass différents avec. 10 diamants spéciaux. Vraiment. Vous avez des strass là. Et encore, je me demande même si... Ouais, si, c'est ça. Donc, même un peu plus, quoi. Vous voyez, 7 diamants spéciaux et 11... 7 strass, pardon, et 11 diamants spéciaux.
Alors après, il ne faut pas se gourer. Parce que justement, il y a des moments, bah, on pourrait se gourer entre seront là ou seront là. Enfin ouais, il ne faut pas se gourer. Mais franchement, elle est super jolie, quoi. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir en fait d'avoir beaucoup de diamants spéciaux dans une toile comme ça. Voilà les gens pour ce qu'il y en est donc de mes encours en diamond painting. Donc, vous voyez, j'ai pas non plus. Ah, mais attendez, je ne vous ai pas montré le plus important. Je range tout, je vous montre. Voilà, ça c'est mon fil rouge de l'année 2024. Hop. Voilà. Donc il s'agit de Rose Librairie de Ivy de la Mort chez Diamond Art Club. J'adore cette illustration. Dès qu'elle est sortie, en fait, je l'ai achetée direct. En plus de ça, j'ai eu le plaisir, la chance de gagner un concours sur Instagram qui était organisé pardon, par les Diamond Painting de Sophie. Et elle proposait de lui faire gagner une carte cadeau de 25 $ chez Diamond Art Club. Et j'ai eu la chance de gagner. Donc bah, j'ai pu utiliser mon bon pour acheter cette toile-là. Et franchement, mais aucun regret. Vous voyez, j'ai déjà fait la première bande. Hop! Donc ici, qui brille toujours autant, hein, Diamond Art Club. Là, vous avez des diamants fairy dust, je sais pas comment, enfin voilà, poussière de fée. Vous avez, alors je ne sais pas si j'ai déjà posé des AB ici, peut-être que oui, je ne me souviens plus. Oui, quelques violets là-haut. Quelques violets là-haut, mais voilà. Peut-être des violets, ouais, des violets ici, qui sont en plein soleil, donc qui brillent bien. En tout cas, voilà, ma bande de janvier est faite. Et puis alors, ben, Diamond Art Club, c'est ma compagnie chouchou, j'ai toujours adoré. Et plus ça va, mieux c'est. Et alors là, vous avez maintenant, donc, je l'ai divisé en 12 bandes. J'avais pas vu qu'en fait, maintenant, vous avez le papier qui est prédécoupé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici, vous avez une petite ligne. Et il est prédécoupé en carré de 10-10. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais peut-être enlever mes bandes et je vais regarder. Alors, ça m'emmènerait jusqu'au mois de septembre ou octobre, je pense. Je dis, bon, pour l'instant, je reste comme ça. Après, là, mes washi tape commencent à se barrer, ça me saoule. Donc, je vais peut-être finir par tous les enlever et finir à faire les bandes avec les prédécoupées. Mais en tout cas, j'utilise enfin, le prédécoupage horizontal. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. Après oui, hein, c'est pas positionné parfaitement au début de la toile. Enfin voilà, vous voyez par exemple ici, à cet endroit-là, c'est pas des prédécoupés. La première prédécoupe, elle est ici. Donc ça fait pas 10-10 quoi. Mais ben, ça fait pas 10 à cet endroit-là. Mais franchement, c'est vraiment sympa et j'adore cette toile. Je la trouve des sorcières, des livres, des monstera. C'est bon, vous m'avez perdu quoi. Enfin c'est... c'est... voilà. Franchement, les couleurs sont sublimes. Enfin... Donc ouais, ça me démange de la reprendre. Hein. On est bientôt le 1er février. La semaine prochaine, on est bon. Hein. Je la recommence. Hein. Mais quelque part, ça me dit, mais pendant ce temps-là, en fait, même si j'ai déjà fini ma bande, en fait, après, je me dis, mais t'as d'autres en cours. Donc continue tes autres en cours. En fait, c'est pour pouvoir continuer sur d'autres choses. Et avoir le plaisir de pouvoir la faire tout le long de l'année. Donc voilà pour celle-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on passe à mes encours broderie. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vais peut-être passer assez vite. Je sais pas. On verra. Mais j'en ai quand même beaucoup, beaucoup. Hein, vous allez voir. Dans cette caisse se cachent, enfin se cachent, tous mes encours broderie. Voilà. Donc c'est une caisse que je laisse à côté de moi, au niveau du canapé, où il y a tous mes encours. Oui. Alors, fut une époque, c'était une caisse où il y avait mes encours et mon stock de points comptés. Oui. On l'a vite remis. Enfin, j'ai vite refait du stock. Hein. Enfin, du rangement, pardon. Donc, on va commencer. On va commencer, on va commencer. Alors, première encours. Donc, il s'agit de cette magnifique toile de chez Riolis, qui m'a été offert par Hélène pour mon anniversaire. Je te remercie encore mille fois, Hélène, pour ce magnifique cadeau. Je pense qu'elle me connaît. Les jardins et tout ça, enfin, je surkiffe cette broderie. Elle est magnifique. Et alors, c'est du Riolis, mais pas en fil de laine. Que ça, j'ai testé et que je n'aime pas du tout. Donc, c'est bien du...
Alors, je ne sais pas si c'est du DMC ou du encore, chez Riolis, mais c'est du fil de coton. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon avancée. Hop, hop, hop. Donc voilà mon avancée. Voilà, donc sur une toile Aïda un peu crème, je sais pas si vous la voyez vraiment crème, mais elle est un petit peu crème avec un magnifique aimant aiguille Monstera. Et en fait, donc ça doit être de la, 18CT. Je ne sais pas si c'est écrit sur le truc, mais je pense que oui, vu la grosseur de l'Aïda, ou du 16, mais. Et en fait, vous avez donc chez Riolis, là par exemple, ce sont des croix pleines en deux brins. Là, ce sont des croix pleines en un seul brin. Et vous avez aussi des demi-croix. Voilà, vous avez pas mal de choses. Donc voilà pour ma petite avancée. Donc j'étais en train de faire ici l'arbre. C'est une broderie que je vais reprendre au beau jour. Je pense vers le printemps et tout ça, parce qu'elle se prête à être brodée. Elle brodait à ce moment-là. J'adore parce qu'elle est très graphique. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup la broder. Elle est hyper agréable. C'est un bonbon. La seule chose que je n'aime pas chez Riolis. Alors, vous avez le patron qui est très clair. Hein. Je vais vous montrer juste un petit peu. Mais le patron, voilà, vous voyez, est très clair. Et donc, la seule chose que je n'aime pas chez eux. Vous avez. C'est 18 clients et c'est des fils encore. Moi j'aime pas ça en fait. Les fils qui sont préparés là-dessus. Je pense que je vais être une des seules à pas aimer. Donc une fois qu'ils sont utilisés, j'utilise un trifil pour mettre mes fils que j'ai déjà commencé à broder avec. Surtout qu'en plus de ça, vous avez des mélanges de couleurs si je ne m'abuse. Donc bah ça va être intéressant aussi pour le noter et mettre les fils qui attendent. Après, c'est les fils encore, c'est de la très très belle qualité. Hop, voilà pour mon premier encours. Faut compter les gens. Et bon, on n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Le deuxième. Alors, le deuxième, il s'agit de mes maisons Tralala. Donc, comme je vous disais, j'ai été au salon de la broderie à Compiègne au mois d'octobre et j'ai rencontré donc la créatrice de Tralala, qui est donc, si je ne m'abuse, je ne voudrais pas me tromper dans son nom. Non, c'est pas écrit. Et en fait, elle fait en fait toute une série de petites maisons comme ça. Donc, vous voyez. Janvier, février, mars, avril. Moi, sur le. Donc, ça, vous verrez dans ma vidéo stock des points comptés. Au salon, j'avais acheté septembre, octobre, novembre, décembre. Et je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas avoir janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, je me suis offert les deux autres, donc les deux autres patrons, celui-ci et mai, juin, juillet, pendant les Black Friday. Elle faisait 10% dessus, donc je me laissais payer. Et en fait, c'est mon fil rouge de l'année. Mon fil rouge de l'année, c'est de faire une petite maison chaque mois. Donc là, j'ai fait la maison du mois de janvier que je vais vous montrer. Donc, avec des fils Atali, comme elle le note. En fait, je voulais tester en fait le fil nuancé. Donc quasiment tout en fil nuancé. Hein. Les seuls fils nuancés qu'il n'y a pas ici, c'est du DMC. Les yeux du bonhomme de neige, c'est du DMC. Et sa carotte, c'est du DMC. Sinon, tout est en fil nuancé. Hein. Le contour, l'arbre, là. Donc ça, c'est du Colorwork. C'est pas de la Tali. Mais donc voilà. Sur toile de lin en plus, parce que j'ai testé la toile de lin aussi. Et bah, quand vous testez la toile de lin... L'Aïda vous semble bien, bien fade. Voilà, et donc là à côté, il y aura la maison de février que je commencerai la semaine prochaine. Donc ça, je suis bien contente. Mon petit encours, donc c'est du 12,6 fils en toile de lin et c'est brodé sur deux fils de trame avec deux fils à l'aiguille. Et donc comme c'est du nuancé, point par point. Donc l'endo, ça donne ça.
sais pas si vous allez bien voir. Voilà. L'endo est différent hein, du fait de broder point par point. Hop, en tout cas, oh, bon, je surkiffe quoi, j'adore. J'adore, j'adore. Le lin, c'est une vraie découverte. Et puis bah, les créations tralala, j'aime beaucoup. Les fils nuancés, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que point par point, c'est pas du tout ma façon de travailler, mais ça va très bien. Alors, troisième en cours. Hop, la maison de l'automne de chez Poussière d'Étoiles. Donc, je les ai quasiment tous achetés, les kits broderie de chez Poussière d'Étoiles qu'elle fait, les kits mystères qu'elle vend en fin de mois. Je n'ai pas janvier, je pense. Je dois pas avoir janvier et février. Et j'ai loupé celle d'avril. Enfin, de mai, en fait, celle avec l'abeille. Mais en tout cas, bah là, les maisons, j'ai la maison de printemps que j'ai terminée, j'ai la maison d'été que j'ai pas commencé, la maison d'automne que j'adore parce qu'il y a des citrouilles, tout ça, je la surkiffe. Donc elle, je l'ai commencée tout de suite, je la fais en duo avec Joanne. Et j'ai aussi la maison d'hiver que vous verrez dans mon stock. Donc voilà, j'ai commencé la maison d'automne et j'en suis... Alors en plus de ça, en cadeau, on avait ça. Oh, trop beau quoi. Magnifique trifle. Il y a toujours un cadeau dans ces box. Et voilà, donc déjà tout ce que j'ai brodé. Donc je vais prendre le tambour par contre. Donc j'ai déjà fini toute la maison, tout le côté ici. En gros, il me reste 2-3 parapluies, je ne sais plus. Comment ça s'appelle les feuilles. Il doit y avoir des feuilles et des oiseaux à broder. Enfin, puis des petits nuages là. Puis voilà, c'est fait. Alors moi, ce que j'adore quand même dans cette broderie, c'est que l'escargot, il est plus gros que les moutons. C'est l'imagination, j'adore. Donc très agréable, hein, sur une toile Aïda 14CT pailletée. C'est très facile à broder, c'est génial quoi. Enfin, franchement, c'est nos prises de tête, c'est super agréable. Voilà, celle-ci aussi, c'est un objectif, j'aimerais bien la finir. Au premier trimestre. Alors pas histoire de pouvoir en commencer un autre, parce que là pour le coup, la broderie, j'attends pas d'avoir commencé... Ah d'ailleurs, la broderie tralala, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une broderie que j'ai commencée au 1er janvier. Puisque la tradition des brodeuses veut qu'on commence une broderie au 1er janvier. Voilà, donc celle-ci, elle est commencée. Ensuite, j'ai en encours la Folk Animals House. Donc, en automne, j'avais envie d'un truc un peu automnal. Voilà, j'ai sorti celle-ci. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Donc, sur une toile Aïda marron en 18CT. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai déjà fait une partie de la maison. Et j'ai commencé le premier lapin. Lapin. Voilà. Donc, je l'ai fait en deux fils. Je me dis, ça aurait peut-être été plus subtil en un seul fil. Mais je vous avoue que bah, c'est tout. Je laisse comme ça. Hein. Voilà. Sympa, hein? Donc là, on est à combien les gens? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Ensuite, alors, ça, c'est une broderie que m'a offert Joanne pour mon Noël, que j'ai commencé également au 1er janvier. Magnifique broderie. Voilà. Celle-ci, très poétique. Et alors, Joanne, elle m'a offert la toile, les fils bien rangés, enfin, l'aimant aiguille. T'as oublié l'aiguille, par contre, Joanne. Et bah, elle est trop, 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 trop belle. Donc, je l'ai commencé au 1er janvier. Et voilà ce que ça donne pour le début, parce que je fais feuille par feuille. Donc là, je suis dans une des premières feuilles. Donc là, hop, ça va être le début de la... De comment ça s'appelle? De la fleur de lotus. La fleur de nénuphar. Voilà où j'en suis. Donc le magnifique aimant aiguille qu'elle m'a offert également. Voilà. Que j'ai mis sur Q-Snap. J'avais envie de tester le Q-Snap. C'est pas désagréable. Bon, là par contre, aujourd'hui il fait très clair, je devrais la prendre parce que la toile est bleu foncé, c'est quand même... Mais voilà, c'est très très sympa, très très sympa à faire. Et il y a des 3 quarts de point, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous la mettre à l'envers comme ça pour mieux voir. Vous voyez la lune ici? Non, on va vouloir faire le focus. Voilà, sympa non? Cinquième en tweet. Ah, Mazette, ça c'est ma All Forest. J'ai eu un énorme coup de cœur
un énorme coup de cœur pour cette broderie chez All Forest. Ah, mais bien entendu, pas plus haut là. Mais vraiment, c'est, y a des dragons. Donc, je me suis offert le PDF et ensuite j'ai acheté la toile. Donc, je voulais la faire sur toile de lin. Hop, je suis quand même pas très bien installée, mais bon, c'est pas très bien. Donc, sur toile de lin, 12,6 fils en. Je sais pas, je vais vous dire le. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est du fil varié. Il n'y a que 4 couleurs hein, sur cette toile. Ah, ça me saoule qu'elle fasse plus le focus. Voilà, donc en fait, il y a 4 couleurs. Donc, là, c'est la première, hein, c'est mon début. Donc, ça, c'est du fil Atali que j'ai acheté directement sur le site. Et ensuite, j'ai. Rencontrer donc au salon Compiègne Fabi, donc la créatrice de la boutique Un Petit Fil qui teint ses fils elle-même, et je lui ai acheté parce que sur All Forest acheter des fils déjà ils sont chers, et en plus de ça, ça vient de, je sais plus, d'Angleterre et tout ça, donc et donc en fait j'ai acheté donc les 4 couleurs, hop hop hop, donc ça c'est Un Petit Fil, et après il y a Atali. Voilà, donc là vous avez le bronze d'Atali, donc on n'a pas l'impression que ça fait nuancer, mais quand vous le brodez, si c'est le cas. Ensuite là vous avez le rouge de Un Petit Fil, donc c'est la couleur aimée. Donc elle teint ses fils elle-même. Là vous avez Hydrangea, pour faire un petit peu le jaune. Et ensuite vous avez Marée. Voilà. Ah, j'adore. Voilà pour ce qui est de cet encours-là. Donc là, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas repris, mais alors le coup de cœur, je vais mettre des années à faire. Il est très long, hein. Il y a peut-être que 4 couleurs, mais il est très long à faire. Franchement, mais juste waouh, waouh. J'adore, j'adore. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième en cours, alors lui, je ne sais pas si je vais réussir à le terminer. Donc je vous disais que je n'aimais pas les Riolis toile, enfin fil de laine. En fait, j'ai cette broderie. Attendez, je vais réussir à la faire. Alors, je continue après avoir été interrompue par le chien. Donc oui, je disais que l'autre en cours, c'était donc cette petite broderie Riolis que j'avais achetée pour justement tester ces fameux fils de laine que je n'aime pas. Mais alors vraiment pas du tout. Déjà, voilà, comme je vous disais, les cartonnettes, j'aime pas ça. Donc je trouve que c'est pas. Et donc vous avez des fils de laine comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Et vous avez beaucoup de mélange de couleurs. Donc ça, ça fait joli et tout ça. Hein. Mais je prends vraiment pas énormément de plaisir à la faire. Après, la toile, elle est grosse. Je sais pas combien de CTC. Ah ouais, c'est du 10 count. Ah ouais, encore pire que le 11. C'est bien ce que je me disais. Je trouvais ça plus gros que le 11. Alors, attendez, parce que. Voilà, donc où j'en suis. La petite loutre. J'ai donc fait la première. Donc là, l'aiguille est très grosse. Hein. L'aiguille, ce qui nous donne, est vraiment très grosse. Mais. Ça aussi, c'est une que j'aimerais bien terminer parce qu'elle n'est pas très grande. Et puis, bah, une fois qu'elle est faite, elle est faite, quoi. Mais je ne prends pas énormément de plaisir. Après, au toucher, c'est ultra agréable. C'est tout. Donc, voilà pour cet encours-là que je voudrais quand même avoir terminé. Histoire de récupérer mon aimant à aiguille, mon tambour. Enfin, voilà, quoi. Et puis, franchement, quand vous voyez la taille du truc, vous dites, t'as pas grand-chose à broder, mais... Alors, on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8. Autre en cours. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Ah oui, alors celle-ci, je ne suis pas sûre de la reprendre. Donc, c'est une des premières que j'avais achetées sur AliExpress. Je pense qu'elle date de 2022. C'était sur, je ne sais plus trop quel vendeur. Mais franchement, elle est vraiment très très jolie en 14 CT. C'est une toile en point compté également. Sur le coup, je m'étais dit, ouais, le diagramme, il est vachement bien fait. En fait, pas si tant que ça. Je vais essayer de la sortir. Hop. Donc là, j'avais... Hop, j'avais... Donc là, vous avez
les croix pleines, les demi-croix, et vous avez quand même pas mal de mélange de couleurs. Voilà, donc elle est quand même assez complète, complexe même. Et moi, j'ai commencé... Bah, chapter 1. Hein. Voilà, moi j'ai commencé ici, donc au milieu, j'ai commencé là. Et en fait, sur le coup, vous, quand vous la voyez comme ça, vous dites, waouh, génial. Mais en fait, quand on rapproche, vous voyez par exemple le A, ici, il n'est pas bien imprimé. Ici, le petit zigouigoui n'est pas bien imprimé non plus. Donc, et puis, bah, vous avez tout le backstitch également dessiné. Et bah, donc, de ce fait-là, ça empêche parfois, vous voyez là, ici, c'est pas bien imprimé, ça empêche parfois la lecture du symbole. Donc, déjà ça. Et alors, la toile, elle est ultra rigide. Ça n'est plus, j'aime pas. Mais bon, ça, après, ça se lave, hein, vous allez me dire. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Hein. Il y a énormément de demi-points. Après, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Et alors, en fait, ce qui m'a fait marrer, ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que là, ici, vous avez un mélange de couleurs, ici. Voilà, vous voyez, c'est la croix pleine. Ici, c'est un mélange de couleurs. Et c'est violet et rose. Et je trouve ça très grossier. Je trouve ça pas beau du tout. Quoi. Donc, je sais pas si je vais la continuer. Vraiment, elle m'attire pas. Je prends aucun plaisir à la faire. Donc, peut-être qu'à un moment donné, j'y retournerai. Parce que je trouve que le... Je trouve que le... Ça, enfin, le rendu, il est trop beau, quoi. Des livres. Enfin, je l'adore. Franchement, je l'adore. Mais pas à broder. Donc, bon... J'essaie de l'arranger des éléments. <T'es fait. rire> Alors ensuite, j'en ai pris là. Faut pas que je loupe parce que j'ai des petits encore. J'adore parce que j'ai gardé les promos Maison du Canva. Poubelle. Tiens, une toile estampée en cours. Voilà, donc il s'agit de celle-ci. Que j'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Il y a eu un moment donné où le point compté, j'en avais marre. Donc je m'étais dit, tiens, je vais me sortir une toile une toile estampée. Comme ça, nos prises de tête. J'ai quasiment rien fait dessus. Franchement, parce que. Hop. Donc là, j'en suis. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, vous voyez tous mes aimants à aiguilles. Et après, j'ai un beau tableau avec plein d'aimants à aiguilles aussi. Donc voilà, j'ai fait les deux livres. Et encore, les deux livres, ils n'ont pas tous fait quoi. J'ai fait que ça. C'est une 14 CT. Très simple à broder. Hein. J'ai vraiment. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Ça fait longtemps que je suis pas revenue dessus. En tout cas, commencer veut dire que ça sera terminé. Voilà. Ensuite. Ah, alors celle-ci, je la déteste. Donc celle-ci, c'est une que j'avais commandée l'année dernière, je ne sais plus si vous vous souvenez. Le vendeur, je m'en souviens plus bien, mais en tout cas, c'est une Dream Pattern. Et vous avez les 4 saisons. Donc là, j'avais acheté l'été. Alors moi qui ne suis pas fan de l'été, je trouvais que celle-ci, elle était très belle. Quand je l'ai reçue, j'étais super contente parce que vous recevez une toile Aïda surjetée, grise, vraiment très très sympa. Hop, voilà. Donc j'ai commencé à la broder. Et en fait, vous voyez... Et puis la toile est souple, elle est agréable. J'ai un magnifique aimant à aiguille qui vient de la boutique Profit des Chamimaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'Audrey propose parce qu'elle est déjà super gentille. Et en plus de ça, ses aimants à aiguilles sont vraiment top top. J'en achète régulièrement chez elle. Et là, en fait, par exemple, vous voyez ici, donc c'est un panier repas, on est d'accord, avec les baguettes, le vin, voilà. Et puis voilà, vous n'avez pas de backstitch. Oui, mais pourquoi? Je me dis peut-être qu'au loin, ensemble, ça ira. Mais alors, le truc, et ça je vous l'ai déjà dit, que je n'aime pas du tout dans la broderie, c'est les confettis et les couleurs qui ont pas vraiment lieu d'être. Donc par exemple ici, donc là vous avez la petite pelle et la petite fourche. Et là, en fait, vous avez un point de vert. Et là, un point de vert, un point de violet, un point de violet. Bon, là, pourquoi pas, mais des fois ici, vous aviez un point ici quelque part, et puis c'était tout. Ok. Enfin... Donc, je sais pas, je... C'est une aussi dans laquelle je prends pas vraiment plaisir à la faire.
Donc on verra. Si je la reprends peut-être en été, je me dirai, allez, motive-toi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, je suis pas motivée. Hop. Ensuite, on a celle-ci qui vient de chez Box and Fox. Box and Fox, ouais, sur Etsy, la boutique Box and Fox sur Etsy. Donc celle-ci, je l'avais vue sur la chaîne, ouais, Box and Fox, c'est marqué là. Je l'avais vue sur la chaîne de Jolie DP. Quand elle avait commencé à la faire, j'avais surkiffé et en fait, je l'ai commencé cet été et elle est hyper agréable à faire. Après, je trouve que c'est une toile d'été, donc pour l'instant, je ne l'ai pas reprise. Mais alors, elle est trop bien, quoi. Ça va très vite, c'est que du bloc. C'est hyper agréable. Donc j'ai fait les 6 premiers. Voilà. Désolée, je mets le trépied sur le tabouret, ça bouge. Voilà. Elle est sympa, hein. Avec mon magnifique et mon aiguille. Cadeau de Nadine, celui-là. Il est beau. Soyez pas jalouse. Voilà. Donc ça, je continuerai. Ça, je l'avais pris en vacances cet été quand j'étais partie à Colmar. Et franchement, ça m'avait. Je pense que ça va être la broderie des vacances. Vous partez en week-end ou en vacances. Et hop, celle-ci, elle sera dans ma valise. Ça prend pas de place. En quid. Alors, j'avais acheté l'année dernière, si vous vous souvenez, ces petits magnettes en broderie. J'ai fait celui-là. Je l'ai collé sur mon frigo. Impossible de le retrouver. Je vous l'aurais bien montré, mais impossible de le retrouver. Il a dû tomber sous mon frigo, pourtant j'ai regardé, il y est pas. Franchement, je sais pas où il est. Ah, mais attendez, je suis tombée là. Je l'ai remis dans mon truc. Bon, voilà, j'ai fait le premier. Voilà, le premier, donc sur toile plastique. Et ensuite, vous mettez, vous brodez de la feutrine. Ce qui est le plus chiant, c'est de découper la toile plastique. Hein. Et après, vous mettez votre petit aimant. Et hop! Vous le collez. Il est trop chouchou. Bon, c'est pas assez puissant pour un aimant aiguille. Hein. Déjà, en magnette, c'est pas terrible. Vous mettez pas une feuille sur votre frigo et le maintenir avec ça. C'est juste histoire de faire beau. Il va pouvoir retourner sur mon frigo. Voilà. Et au printemps, j'aimerais bien faire celui-ci ou celui-ci. Voilà. Celui que j'aime le moins, c'est celui-là. Pourtant, j'aime bien les chats, mais on peut pas dire que je kiffe. Voilà. Il est beau. Là. Alors ensuite, c'est bientôt fini les gens, c'est bientôt fini. Ah oui, alors il m'a pris une pouquette pendant l'été où j'ai eu envie de commencer le sale de Peppermint Purple, donc qui est une boutique anglaise qui propose du black work. Donc j'avais déjà fait j'avais acheté un kit de débutant chez elle. Et je l'avais fait l'année dernière et j'avais adoré le black work, c'est vraiment très intéressant. Et sur son Facebook, en fait, quand vous êtes sur son groupe, vous pouvez participer donc à son salle. Et donc, toutes les semaines, elle vous donne une petite truc à faire. Et là, j'étais en train de faire les contours. Hop, donc pour l'instant, je n'ai fait que donc, les carrés. J'ai commencé donc les contours. Et je me dis, à un moment donné, bon, les contours, c'est un peu rébarbatif. Je vais quand même essayer de finir ce côté-là et après commencer le remplissage parce que bah, le sale est terminé. Mais j'ai téléchargé tous les fichiers. Je les ai tous sur ma tablette et je me dis de temps en temps, faire un petit carré en blackwork. Le blackwork, c'est génial. J'adore. En plus de ça, le rendu est juste trop, trop beau. Et là, je commence à télécharger son sale de 2024 parce qu'il est beau aussi. Et là, vous avez un bel aimant aiguille de chez Poussière d'Étoile. Voilà, donc je m'étais acheté une petite toile Aïda, ça passe parfait, la couleur est très belle. Et j'ai choisi ce dégradé de couleur là. Je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est des fils que j'ai retrouvés chez mes parents. Voilà. Voilà le dégradé de couleur. Et celui de 2024, je voudrais le faire en fil mincé. Si je le fais.
déjà avancer celui-là, ça sera déjà pas mal. Hop. Mais ça, le Black Heart, c'est vraiment très agréable. Et alors, ce qui est intéressant dans le Peppermint, c'est que ben, vous avez les fiches qui sont gratuites sur, si vous faites partie de son groupe. Donc, si vous voulez vous commencer au Black Heart, ben... Et après, sur son site, elle a aussi beaucoup, beaucoup de patrons qui sont vraiment très beaux. Ensuite, ben, il en reste 3. Oui. J'ai commencé. Hop. Enfin, j'ai commencé. Je pense que j'avais déjà même commencé en 2022. J'avais eu celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, sur AliExpress, vous aviez des jetons. Et puis, vous pouviez avoir des... Je ne sais pas si c'est encore le cas, hein, parce que... des produits moins chers. Donc, j'avais eu 2 euros parce que je l'avais jeté avec des jetons, quoi. Donc, j'avais payé que 2 euros cette petite broderie. Donc, je l'ai commencé il y a très longtemps. Puis, je m'étais dit, oh, bah, je vais la continuer pour Noël. Trop drôle. Et ben voilà, je l'ai continué. Faut pas déconner, quand même. Hop, voilà. On est tous bien contents. En fait, j'avais déjà fait tout ça. J'avais déjà fait tout ça. Et puis, en gros, j'ai changé de couleur. Voilà. On est tous bien contents. Après, la toile est très rigide. C'est très désagréable. Donc, je vais peut-être la laver. Et je serai peut-être plus que... Mais bon, un jour, peut-être sera-t-elle faite. Hop. Allez, les gens, plus que 2. C'est mon mari qui est content parce qu'il ne fait pas de bruit dans la cuisine là pour l'instant. Et celle-ci, alors celle-ci, c'est pour une de mes amies. En fait, quand j'avais fait une commande à la maison du Canva, quand vous faites une commande de fille, vous avez souvent un patron offert. Donc, la maison du Canva nous avait envoyé donc, ce patron-là. Donc, c'est des fiches gratuites de chez DMC. Et oh, le coup de cœur absolu. En fait, ça m'a tout de suite fait penser à une de mes amies qui voyage beaucoup. Donc je me suis dit, ah, mais il n'y a pas. En plus de ça, ben, là, New York, Londres, Rome, Paris, bon, ben, c'est toutes des villes qu'elle a vues. Donc je me dis, ben, c'est parfait. Et je voulais lui faire pour Noël. Elle l'aura pour son anniversaire. Ça va, c'est le 18 août, j'ai le temps. Donc voilà pour ce qui est de la patronne gratuite. Et en fait, moi, j'ai tout acheté. J'ai eu aussi un coup de cœur pour la toile. Je trouve que la toile, elle est vraiment très belle. Donc je l'ai acheté également. Et hop. Voilà où j'en suis. Attends, parce que je suis en train de faire les points arrière. Tac, tac. Voilà. Donc, j'ai fait la première valise. Et ensuite, je suis montée et j'ai été faire la map monde. Alors, je me suis gourée la map monde d'un point. Donc, en fait, normalement, là, ici, c'est pas accroché. Hein. Mais franchement, je m'en suis rendu compte assez tard. Tant pis. Par contre, elle est bourrée de demi-points de croix. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ici, par exemple. Je ne sais pas si elle va vouloir faire. Vous voyez tout là. Tout le tour comme ça, c'est du demi-point de croix. Là aussi. Donc, pour faire des beaux arrondis, hein, là vous en avez. Et puis alors dans la map monde, il y en a aussi beaucoup. Donc, je vous avoue que dans l'appareil photo aussi, c'était quand même assez... ça pète les yeux. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus continué. Mais là, bah, je vais arriver. Là, j'ai bientôt fini le point arrière. Donc ensuite, bah, je vais basculer sur les autres valises et ça va être un petit peu moins... rébarbatif. Par contre, c'est super, ça rend bien. La toile, sur le coup, elle est rigide, fort rigide. Mais au fur et à mesure où vous brodez, elle s'assouplit bien. Donc, elle est agréable. Voilà. Donc, ça sera pour son anniversaire à ma copine. Mais ce qu'il ne faut pas me dire. Et dernière en cours. Ah, ben non, c'est pas le dernier. Voilà. Donc, j'ai commencé. Ce marque-page de chez que j'avais eu en partenariat chez VIP Cross Stitch. Donc là, pareil, j'étais partie en vacances avec. Donc j'avais commencé à le broder. Mais alors par contre, normalement, vous faites le recto verso. Moi, en fait, je vais faire que un. Derrière, je mettrai une feutrine. Donc on verra bleu, noir, on verra bien. Et l'autre morceau, je l'utiliserai pour faire un autre marque-page. Parce que sur Etsy, vous avez beaucoup de patrons pour les marque-pages. Ou alors, Duren Jones aussi, la créatrice Duren Jones, quand vous êtes sur son groupe Facebook, tous les vendredis,
elle vous met un patron gratuit et vous pouvez aller voir les patrons ultérieurs des autres années. Et elle a beaucoup de marque-pages également en patron gratuit. Donc peut-être que je le ferai, mais au moins j'aurai déjà la toile en plastique. Voilà, je ne ferai que le... Je ferai pas recto verso. Mais voilà, c'est bien sympa à broder, ça va vite. Puis ben, en vacances, ça non plus, ça prend pas de place dans la valise. Et mon dernier en cours, donc ça c'est celui que je suis en train de broder en ce moment. Donc là, vous avez... En fait, donc je suis là, vous avez vu. En fait, c'est un projet des 12 semaines hiver de la créatrice Créad. Je vous mettrai son lien de... Voilà, Créad. Je mettrai son lien en barre d'infos. Franchement, elle gagne à être connue, cette créatrice, parce que bon, là j'ai pris la version point compté, mais elle a créé des points qu'elle appelle des points variés. Donc vous avez aussi la version en points variés et c'est juste sublime. Moi je me suis mis, vous verrez dans ma vidéo stock point de croix compté. Je me suis acheté sur le salon de Compiègne en fait deux de ses patrons pour faire du point varié. Franchement sublime. Donc là j'ai ouvert la première enveloppe et toutes les semaines on ouvre une enveloppe. Donc bah, en fait moi pour me garder le plaisir, là je pense que les filles elles sont déjà en train, enfin les filles ou les hommes, hein, aussi, pourquoi pas. En tout cas ils sont déjà en train de créer, de broder la deuxième semaine. Moi j'ai reçu mon colis assez en retard et puis bah, après je ne suis pas non plus une foudre de guerre, je vais pas très vite. Donc bah, en fait j'ouvrirai, vous avez donc 12 enveloppes. Et là j'ouvrirai donc, il y a quelque chose dedans, qui n'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose dedans. Et donc j'ouvrirai la deuxième enveloppe une fois que j'aurai fini de broder cette première partie. Voilà, pour ce qui est de mes encours. Donc ça nous fait combien ça, monsieur, dame? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça va? C'est pas beaucoup? Peut-être recommencer un autre pour histoire d'en avoir 20. Ou alors d'en avoir 18, j'aime pas les chiffres impairs. Oui. Voilà, en tout cas pour tout ce qui est mes encours de broderie. Et j'en ai une en haut aussi. Donc on va basculer en haut pour que je vous montre un petit peu mes DP et mes broderies terminées. Et puis vous montrer ma broderie que je fais dans mon lit. C'est une estampée en SCT. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir quand je regarde quelque chose à la télé. Et mon mari me regarde en levant les yeux au ciel. Complètement désespéré. Je vous montrerai pas tous ces Lego. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Nous voici donc à l'étage pour que je vous montre donc un petit peu les broderies que j'ai terminées. Là, c'est la broderie en cours dont je vous parlais. Ma broderie, j'allais dire canapé, mais non, lit télé, on va appeler ça comme ça. Et hop, tu dis bonjour ma mémise. Voilà, en compagnie de ma petite chatounette. Mmh, ma louloute. Bon, interruption avec les gros sabots de mon mari qui est venu chercher quelque chose dans la chambre. C'est bien d'être en vacances. Enfin, lui, pas moi. Donc voilà, je disais la broderie que j'ai, la lit télé que je fais donc quand je mate une série ou un film à l'étage dans mon lit. Donc pas de prise de tête, hein, c'est une broderie estampée en 11 CT qui est hyper simple à réaliser. Alors, vous voyez normalement tout le fond est à broderer. Moi je ne vois absolument pas l'intérêt de broder du fond. En plus de ça, la couleur, c'était un vert très 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 pâle que je trouve qui ne va pas du tout avec le reste de la broderie. Donc au pire, vous faites en blanc et oh, miracle, qu'est-ce qui est blanc? La toile. Donc franchement, je vois vraiment pas l'intérêt. Moi, je ne vais broder que les éléments et ensuite, ben, je la mettrai dans l'eau et voilà, elle sera finie. C'est ça tout le bonheur de la broderie en fait. Hein. C'est on évite d'avoir des grosses toiles, enfin moi j'aime pas trop quand il y a énormément de fond comme ça pour les toiles estampées, je trouve que là ça se prête pas non plus vraiment, donc qu'est-ce qui est arrivé à Hermione? Oh punaise, qu'est-ce qui lui est arrivé à la coquinette? Je sais pas, je regarderai, mais en tout cas voilà.
Voilà pour ce qui est de cette toile. Alors, il y a aussi un truc que je n'aime pas beaucoup au niveau choix des couleurs. Ici, ils vous ont mis un rose au niveau du blason, de Griffon d'Or et de Pouf Souffle. Et ils ont mis... Enfin, je ne sais pas, j'aurais mis un jaune, moi, ici. Non, ils vous ont mis un vert kaki. Ils ont mis ce vert-là. Donc, je ne sais pas, je comprends pas bien. Mais bon, c'est tout, hein. Moi, je suis, hein. Je commence pas à tout défaire. Voilà. Bon. Voilà pour ce qui est de ma broderie donc télé. Hop, c'est une toile que j'avais achetée chez Funcell. Pif, paf, pouf. Et il y en a une autre aussi que j'ai commencé. Alors, je vous laisse admirer mon chat pendant que hop, je m'installe. C'était celle-ci que j'avais eu également en partenariat chez VIP Cross Stitch. J'ai celle-ci et j'en ai une autre que vous verrez également dans mon stock de broderie de point de croix estampée. Et en fait, je m'ennuie à la faire. Je la trouve d'un ennui. Je ne suis pas sûre de la continuer. Mais vraiment, elle n'est pas désagréable à broder. Hein. C'est pas ça. Mais alors, quel ennui. Quel ennui. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait là, cette première couleur là. Et après, j'en ai commencé une deuxième là. Mais je me fais vraiment. C'est vraiment chier, quoi. On est désolé de le dire, mais. Hop, je sais pas si on verra bien. Voilà à l'arrière. Oui, alors. Miss Phil qui découpe. Qui coupe son fil. Vous savez que vous avez ça ? Ouais, sauf que quand il y a un point par-ci par-là, vous voyez, en fait, c'est toutes les étoiles en blanc. Ben non, là j'ai pas coupé mon fil. J'avoue, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais tant pis. Mais ouais, franchement, je prends pas énormément de plaisir. Et en fait, déjà, je m'ennuie à faire ça. Je me dis, à un moment donné, je vais devoir faire tout l'arbre et tout ça en noir. Ah Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Ouais, non, je... Puis en fait, les goûts changent et je peux plus dire que j'aime. En fait... autant quand je les avais vus sur le site, il y en avait 6 différentes, je pense, c'est comme ça. J'avais eu du mal à choisir, j'étais vraiment trouvée vraiment très très belle, un vrai coup de cœur. Et en fait, maintenant que je la regarde, je dis ouais, bof. Après, mes goûts, enfin, vous verrez dans ma vidéo stock point de croix, point compté. Déjà, je suis beaucoup plus point compté maintenant que broderie estampée. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que j'aime dans le point de croix, le style que j'aime dans le point de croix. De ce fait-là, ben, y en a beaucoup que je n'aime plus, quoi. Voilà pour ces deux toiles en cours à l'étage. Là, je vais vous montrer les broderies, mais je vais vous les montrer vite fait parce que je pense que vous les avez déjà vues. En vidéo et tout ça, puis même bah, si vous les avez pas vus. Après, j'en ai pas terminé beaucoup. Oh, zut, qu'elle est belle. Donc, on a la maison de printemps de chez Poussière d'Étoiles. Voilà. Donc, c'est censé être une toile pailletée. Je pense qu'elle a changé. Elle a changé de fournisseur au niveau des toiles parce que bah, celle-là, ça se voit pas trop quand même. Donc voilà, elle a des petites perles au niveau des grains des fraises. Oh, j'adore, elle est vraiment sublime, elle a été super agréable à broder. Franchement, un petit bonbon cette toile. Hein. Je ne peux que vous commander, recommander le kit sur sa boutique. Ensuite, j'avais acheté, je pense, hein, le petit chi en broderie estampée, ou la petite chi, je pense que c'est une chatounette, en broderie estampée pour mon fils. Donc je l'ai brodée et puis ben, je l'ai lavée et maintenant elle est là. Donc, il faudrait que je vois avec lui s'il veut que je l'encadre ou pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il regarde plus trop, il lit plus trop les mangas. Donc, il est passé sur One Piece maintenant. Donc, mais en fait, je pose quand même beaucoup de questions sur One Piece. Je me demande pourquoi autant d'engouement sur ce manga. Mais bon, voilà, maintenant, il est passé à One Piece. Donc, je pense que Chine, elle va aller. Il faut que je me trouve un petit... Je sais pas si je vais prendre un porte-vue ou si je me prends un porte-document pour mes toiles. Franchement, je sais pas. Je sais pas encore comment faire. Donc, pour l'instant, elle traîne dans ma chambre comme ça. Ensuite, j'avais fait celle-ci. Donc, ça, c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je l'avais emmenée à La Réunion. Et je l'ai terminée pendant l'hospitalisation de mon fils. Il dormait et tout ça, les longues heures à l'hôpital. Bah, ça m'a...
Ça m'a permis de terminer ma Monstera, hyper agréable, elle est super jolie, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette toile. Ouais, j'ai vraiment pris vraiment un plaisir à la broder. Ensuite, ça vous l'avez déjà vu, mais je vous le remontre, hein. Donc je vous ai parlé du Blackwork tout à l'heure, de Peppermint, donc c'est celui-ci, hein, le kit débutant que j'avais acheté chez Peppermint, donc c'est vraiment un kit, hein. Mais non, Mimis petite louloute, elle voit les fils, elle joue, elle me fait rire. Vous avez la toile, les fils, le diagramme et l'aiguille. Et moi, j'adore. En fait, je m'étais dit, je vais prendre celui-là. Il est petit. On verra ce que ça donne. On verra si j'aime. Oh, ouais. Mais non, Miska. Allez, hop, enlève ta griffe là. Voilà, je te remercie bien. Tu. ensuite. Un des tout premiers que j'ai eu en partenariat, je pense qu'à l'époque c'était New Crafté. Une des premières toiles en broderie estampée, c'est la première toile en broderie estampée que j'ai faite. Donc celle-ci, on la retrouve encore chez les sites partenaires, ou enfin les sites chinois, les petits sites chinois. Par contre, les autres saisons, puisque là c'est la maison de printemps, les autres saisons, on les trouve pas. Donc moi, je me suis acheté les autres saisons sur AliExpress, sur la boutique Joy Sunday. Elle a pas l'air comme ça, mais mazette qu'elle a été longue à faire. Très longue à faire, hein. Elle a, je pense, plus de 30 couleurs, donc beaucoup de changements de couleurs. Et puis après, quand même pas mal de backstitch. Bon, c'est pas non plus le pire, le backstitch, hein. Je trouve qu'il y a des toiles où il y en a le plus. Après, à une époque, j'étais, bah, moi, quand j'ai commencé la broderie, donc il y a de ça très 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 longtemps, je faisais ma toile en entier en point de croix, pour demi-point et tout, et le black stitch en dernier. Sauf qu'en fait, c'est quand même effectivement assez rébarbatif. Là, j'ai fait le black stitch en dernier aussi, j'ai mis du temps. Donc maintenant, je fais le black stitch au fur et à mesure. Voilà. Bon, là, vous entendez ma quille. Hein. Hop, la dernière que... Enfin, une de celles que j'ai faites également, c'est celle que j'avais eu en cadeau chez Fancel. Au bout de 35 euros ou 45 euros, vous avez un cadeau chez Fancel. Soit du diamond painting, soit de la broderie. Moi, j'avais choisi la broderie et j'avais eu ce magnifique cerf. L'autre broderie que j'ai eu en cadeau à ma dernière commande Fancel, là, par contre, c'est de la foirade complète. Je vous la montrerai à ma vidéo stock. Mais en tout cas, voilà, c'était une Joy Sunday en broderie estampée, les couleurs. Je surkiffe et c'était très facile à broder, c'était vraiment très sympathique. Mais ça, vous l'avez déjà vu, mais bon, je la remonte quand même. Petite broderie que j'ai faite durant le mois de décembre. Donc ça, c'est une des dernières que j'ai eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Et je me souviens, je l'avais reçue après Noël 2022. Donc oui, j'avais dû recevoir, ou peut-être début 2023. Donc je me suis dit, bah, je ne vais pas la broder. Donc je l'ai prise là en mois de décembre. Et voilà. Petite broderie en point estampé avec quelques petits points de nœuds. Donc bien sympathique à broder. Et mine de rien, c'est petit, mais il y a quand même du job, hein. Il y a quand même du taf à faire. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai participé au salle... Attends, ma louloute, elle a coincé, voilà. Coincé sa griffe dans un fil. J'ai participé au salle de Duren Jones, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et voilà. Alors, moi, je suis Emmett, hein, dans ce qui est création. C'est-à-dire que... Alors, Emmett, si vous ne connaissez pas, c'est le petit Lego dans le film La Grande Aventure Lego. Où, en fait, ben, Emmett, il suit les plans pour construire des maisons. Et ben moi, je ne suis pas maître constructeur. Donc, vous avez les petits bonhommes qui suivent les plans, les petits bonhommes Lego. Et vous avez les maîtres constructeurs qui, avec trois briques Lego, savent vous faire un vaisseau spatial. Non, moi, je ne sais pas faire ça. Et pour la broderie, c'est pareil. J'ai vu des filles, des personnes qui l'ont fait à leur mode, à elles. Elles ont mis du fil argenté, ou alors elles ont rajouté des perles. C'est juste trop canon. Ah, moi, j'ai suivi les DMC qui étaient préconisés. J'ai suivi. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est qu'en fait ici, donc ça c'était le premier, donc toutes les semaines elle nous a donné un petit... Donc on avait eu le cadre à faire, et toutes les semaines elle nous mettait un petit dessin qu'on devait broder. Et puis, donc ça c'était le premier, et en fait c'est du full, hein. À l'intérieur tout est full, tout est brodé. Et là, en fait, il y a des flocons en blanc. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Il y a des flocons en blanc, non, on voit que dalle. Et le fond est en bleu très pâle. Donc, vous dire qu'on voit que dalle. Donc, déjà, les fonds en blanc sur la toile blanche, là, ici, ça ressort, puisque le fond est bleu plus foncé. Ici, ça ressort. Ici, un petit peu aussi. Mais alors, ici, donc là, j'ai fait les flocons. Et normalement, j'aurais dû faire un fond bleu aussi très pâle, là.
Mais alors déjà, ça m'a pris des plombes de faire le fond ici. Mais il y a beaucoup de vent là. Mais en fait, on voit que dalle, quoi. Donc, j'ai décidé de pas broder. Ouais. Voilà. Mais sinon, j'ai rien changé du tout. J'étais contente de l'avoir fait. C'était facile. Je suis contente d'avoir réalisé tout ça. Mais par contre, c'est quand même la preuve que les salles sont pas faites pour moi. C'est qu'il y a un amont à la fin. Je l'ai fini. Alors, je l'ai fini avant le 31 décembre, mais je l'ai fini après Noël. Mais j'avais plus envie d'y retourner. J'en avais marre, quoi. Je dis, oh, attends, les contraintes de salle, en fait, j'aime pas ça. Voilà. Même si on dit toujours, oui, près de votre temps, vous avez tout le temps. Moi, j'ai pas envie de broder ça en janvier, quoi. Vous voyez, moi, Noël, ça s'est terminé. Le 26 décembre, c'était terminé. Hein. J'étais même à me dire, faut que j'enlève mon sapin. Hein. Donc, ouais, j'avais plus du tout envie de broder du Noël. Mais en tout cas, voilà pour les deux petites que j'ai réalisées donc au mois de décembre. Les deux dernières que vous n'aviez pas encore vues. Pour ce qui est de la broderie, c'est terminé. On va essayer d'aller voir pour le diamond painting. Je reviens. Ça y est, on bascule sur le diamond painting. Je ne sais pas si je vous avais montré celle-ci que j'avais eue ou j'ai acheté. Franchement, je ne m'en souviens même plus. Mais une grande, je l'ai acheté, je pense, en 40 par 50. Donc c'est. Si je ne me trompe, je pense que c'est Woman in Gold de Klimt. Mais moi, je l'ai fait en diamants spéciaux. Vraiment très 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 sympa à faire. Franchement, je la trouve vraiment jolie. Là, je vais vous montrer la toile donc mon fil rouge de l'année 2023. Alors, je suis désolée, là pareil, vous êtes à bout de bras parce que mon trépied est tellement petit que. Puis je veux pas déranger le chat. Vraiment en train de se dire, c'est là que ça m'a mis. Donc voilà pour ce qui est de mon fil rouge 2023. Donc je pense la seule et unique toile que j'ai terminée. Hop. Donc là, vous avez visu sur mon lit, mais comme ça, moi, vous la voyez bien. Hop, voilà. Elle est sublime. Hein. Sublime, sublime, sublime. Et en fait, le principe du fil rouge au long de l'année. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc ben, c'est pour ça que j'ai réitéré cette année. Voilà. Donc je vous dis, hein, je pense que c'est vraiment la seule que j'ai terminée cette année. Donc, là, on va passer, je vais aller chercher mon porte-vue et on va aller regarder les dernières toiles qui seront certainement en diamants spéciaux, mais vous voyez, j'ai vraiment pas été très 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 productive. Hein. Honte à moi. Voilà, on est avec mon porte-vue. Attendez, je ferme la porte. Tac. Voilà. Mon mari est en train de faire à manger, j'adore quand il est en vacances. Donc celle-ci, c'était celle que j'avais faite l'année dernière, je pense que vous l'aviez vue. Celle-ci, je l'ai faite cette année. Donc, ouais, j'avais envie de faire une petite en diamant rond. Je trouve que le rendu est vraiment très sympathique. Je viens de recevoir un message et comment ça? Oui, je trouve que le rendu est vraiment très sympathique. Elle a été super rapide à faire, franchement. J'ai bien aimé, vraiment une petite toile en diamant en 30 par 40, sans prétention. Celle-ci, vous l'avez peut-être déjà vue. Alors, vous dire où je les ai eues et tout ça, moi je m'en souviens plus, mais celle-là, je l'avais achetée, je pense. Après, celle-là, je pense que vous l'avez déjà vue également. Celle-ci, je l'ai faite cette année, je l'ai eue en cadeau par Hélène. Donc, ça aussi, une super belle toile. Dès que je l'ai reçue, je l'ai faite. Je la trouve super jolie. Franchement, je ne l'aurais pas achetée. Parce que pour le coup, mais en fait, mais pourquoi je l'aurais pas acheté? Non, mais Hélène avait totalement raison de me l'offrir, quoi. Déjà, tout le tour, c'est des diamants AB, c'est vraiment très sympa. Puis là, vous avez des petites fleurs comme ça. Non, franchement, j'aime bien, quoi. C'est une belle toile. Ensuite, j'ai fait celle-ci que j'avais eue en partenariat, je ne sais plus avec quelle boutique. Donc, le dragon, ouais, elle est jolie, hein? Ouais. Après celle-ci, j'avais envie d'automne. Je voulais absolument me faire un truc d'automne. Enfin, j'étais dans le mood des citrouilles. Enfin, moi, c'est tellement ma saison préférée et tout que j'ai été faire un tour chez Fancl et j'ai commandé celle-ci. J'en ai commandé une autre, c'est le blason de Poudlard. Mais celle-ci, dès que je l'ai reçue, je l'ai faite. Enfin, j'ai adoré, quoi. Franchement, ah ouais, il me fallait de l'automne. Donc, j'ai fait celle-ci. À la suite, j'ai fait celle-ci qui a été super agréable. La toile était très, 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 très souple. Donc, vraiment très sympa. Après, j'ai enchaîné avec donc, le phénix que j'ai terminé donc, la semaine dernière. Ou dimanche, enfin, je ne sais plus. Très sympa. Et voilà la toile de Noël que j'ai faite cette année. Hop.
Enfin, on va faire comme ça sera plus simple. Moi, ouais, c'est mieux. Voilà, c'est la toile de Noël que j'ai faite cette année, donc celle de chez Action, qui colle. J'ai mes doigts qui sont en train de coller dessus. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, j'ai pas été très. J'ai pas fait beaucoup de diamond painting, hein, c'est, faut quand même l'avouer. Mais bon, après, c'est tout. Hein, on fait comme on peut, et puis on fait comme on veut aussi. On n'a pas envie, on n'en fait pas, on va pas se forcer. Et. Puis ça revient quand ça revient, quoi. En tout cas, celle-ci, elle a été super sympathique à faire. Pareil, elle a été très rapide sur le mois de décembre. J'ai bien aimé mon petit moment. Alors, je me souviens que j'avais fait une toile de chez Action. J'avais été déçue par les diamants. Je me demande si c'est pas l'autre de Noël que je vous montrais, là, le sapin. J'avais dit, ouais, quand même, au niveau qualité, ils se sont un peu détériorés. Ben, pas du tout pour celle-là. Pas du tout pour celle-là. Les diamants 1B sont vraiment très beaux. Et les diamants sont bien taillés. Franchement, j'ai eu aucun problème là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'était peut-être celle que j'avais eue. Ça n'allait peut-être pas. Ça n'allait. Voilà. Enfin, je n'arrive pas à trouver mes mots. Ça fait quand même bien longtemps que je vous parle là. Bah écoutez, la vidéo est terminée en tout cas pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Prochaine vidéo, ça sera la vidéo stock. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée sous le soleil du Nord. Bah ouais, parce qu'il y a du soleil dans le Nord. Truc de dingue. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!